Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais, j'ai publié les mois de septembre et je sais qu'il y a le son déjà de la vidéo des énergies d'hier qui n'était pas top. Donc j'espère vraiment ici que le son va fonctionner. En fait, j'ai remarqué que quand je le mettais en charge ce PC, bah, le son était vraiment étouffé. Et bon, bah, c'est trop tard, c'est fait. Donc j'espère que vous arrivez à entendre votre guidance. Si vous ne l'entendez pas, ben c'est peut-être que les messages n'étaient pas pour vous, mais enfin, bon, c'est quand même super embêtant. Enfin, que soit. Nous allons voir un peu les énergies générales pour ce vendredi. On va être le 27, c'est ça? Ouais, le 27. Ok, vendredi 27. Quelles sont les énergies générales ici pour tout le monde? Pour ce vendredi 27. Ah, il y en a une qui vient. On nous parle de liberté ici. Avec cette carte de la liberté, on voit qu'on part sur de l'indépendance, on est sur de l'autodétermination. C'est la carte numéro 7. Donc on reprend peut-être aussi pouvoir par rapport à à sa spiritualité. On a confiance en soi, j'ai envie de dire. Ici, elle est clairement, elle est très jolie, elle est clairement dans ces éléments de feu ici. Et alors, il y a le fait de régler le champ énergétique, il y a le fait de purifier son aura et de reprendre possession de son authenticité. Ici, il y a le fait de reprendre sa peau avec la peau de la Selkie derrière. Et c'était par rapport à un tri de ce qui valait la peine et de ce qui vous détruisait ici. Donc ici, on a vraiment ces énergies de purification où on a nettoyé et réglé certaines choses. On reprend ici possession de son authenticité, on reprend sa peau ici, j'ai envie de vous dire. Et c'est plutôt pas mal, hein, avec cette liberté, c'est vraiment génial. Elle est vraiment belle. Je vous la montre ici pour les énergies de ce jour. C'est top, je trouve. Allez, c'est parti, on va commencer avec nos signes. Hein. On va aller voir ce qu'il y a pour vous pour ce vendredi. Je vous secoue tous un petit coup parce que bah, comme ça, c'est super aléatoire. Les premiers sont les derniers seront les premiers. Hein. On va la jouer comme ça. Regardez, je les coupe même. Et voilà, et on prend ici. On va commencer avec nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit tour pour vous avec les miroirs. C'est parti pour les scorpions. Quels sont les messages pour les scorpions de ce vendredi, s'il vous plaît? Pour tous les scorpions qui regardent ma chaîne, alors, deux carrés dans la main. On nous parle de santé par rapport à l'hérédité ici. Il y a quelque chose qui va évoluer. Le fait de vous écouter ici, peut-être par rapport à ce que vous allez léguer ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes au niveau de votre santé. Il y a des choix à faire ici. Vous êtes à un carrefour concernant ce que vous voulez voir à se concrétiser, bah, concernant des rêves, on a des compromis, on a des négociations en lien avec un homme ou pour vous, messieurs, et on a encore cette évolution derrière. Il y a le fait ici de s'écouter. Ici, on nous parle de santé, on nous parle peut-être de milieu hospitalier, ou ça dépend de votre santé, ici, de votre bien-être concernant la famille, peut-être des héritages où on a des choix et des décisions à faire. Ici, on se retrouve à un carrefour. Mais on voit qu'au niveau de vos rêves, il y a un compromis qui va être passé concernant un homme ou le fait d'actionner ici, de vouloir évoluer par rapport à un couple ou par rapport tout simplement à l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, les amis scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais leur secouer un petit peu. Hop. Et on va passer à nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi pour mes amis cancer? Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de fatalité. Il y a quelque chose par rapport à des accusations qui vous met ici en chute, hein, quelque chose d'irrévocable que vous ne savez peut-être pas rattraper. Et c'est une situation qui, pour moi, vous échappe. Peut-être par rapport à de la communication, mail, message, correspondance, réseaux sociaux, où il y a des choses pour lesquelles vous discutez par rapport à la famille et vous vous sentez en échec. Il y a vraiment cette culpabilité qui ressort. On nous parle qu'il y a des mails, des messages sur cette fatalité ici qui arrive aussi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur ce qui vous met en chute. Hop, elles se mettent
Non, je ne la prends pas. Le cancer, une petite dernière, s'il vous plaît. Hop, merci. Ouais, des correspondances qui vont revenir à vous ici. Sur votre enfermement, on le dit. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ces accusations et on nous parle de retard au niveau de la maison, du foyer. On a vraiment pris du retard sur le fait d'être en chute ou par rapport à quelque chose qui s'est écroulé. Ici, on voit qu'il y a le feu, il y a les pompiers. Le gars, il est en pleine chute. Il a les ailes brûlées. Là, c'est vraiment quelque chose qui était... Et là, on voit que carte centrale, correspondance, communication, mail, message, courrier, écrit, voyez un peu comment ça résonne en vous. Et il y a quelque chose qui revient avec une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui va se réparer au niveau de l'enfermement. C'est une décision qu'on va prendre sur tout ce qui est accusation ici. Et on nous parle quand même de chance en amour et d'un cadeau plus loin. Donc, voyez un peu comment la situation revient à vous ici sur ce qui vous semblait fatal, les cancers. Il y a des choses qui bougent. Bon. On va passer à nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Je le remélange. Si vous voulez bien. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Quels sont les messages pour les poissons? On parle d'amour par rapport à un homme, pour vous, messieurs, couple, peut-être. Actionner des choses vers de nouvelles choses, de nouvelles terres ou de personnes d'origine étrangère pour lesquelles on se met beaucoup en remise en question. Ça vous met dans une instabilité ici concernant peut-être le couple, une rencontre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Hop, ouais, l'étranger ressort. Hein. Donc, on nous parle de séparation ici. Donc, il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent à vous ici pour les poissons. Il y a le fait d'échanger ici, il y a le fait de prendre de la distance peut-être, des déplacements. Et concernant l'amour, ici, on nous parle peut-être d'une séparation. On va peut-être arrêter certaines choses concernant un compromis par rapport à de la trahison vous concernant vous directement, parce que ça vous met ici dans des mauvaises énergies, vous vous sentez renfermé. On a fait une nouvelle rencontre peut-être une personne totalement étrangère à votre entourage ou qui est carrément dans un autre pays. Vous voyez comment ça peut vous parler, si ça vous parle, bien sûr. Bon, c'est vraiment vous concernant vous ici. On voit que vous allez évoluer. On a quand même ici de l'amour à un couple, peut-être une rencontre amoureuse ici qui va se faire par rapport à des échanges ici. On va voir que ça va vous permettre de pouvoir évoluer et d'avoir une victoire ici sur tout ce qui était accusation et distance. Il y a la distance qui ressort, elle est ici aussi. On avait peut-être pris de la distance, mais là on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à une situation où il y a le fait de vraiment s'éloigner d'une certaine situation concernant l'amour. Et on voit qu'on va évoluer ici concernant peut-être les histoires familiales, peut-être acquérir des biens ou envoyer des héritages ou concernant ça. On voit qu'on va être victorieux sur tout ce qui était accusation par rapport à la distance qu'on avait prise. Excusez-moi, mais j'entends qu'il y a un chien qui fait des bêtises. Et voilà, donc pour les poissons... Il y a l'idée ici de vraiment prendre de la hauteur par rapport au couple. Voilà, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais vous remélanger pour vous aussi. Hop. Pour être sûr que on ne vous sorte pas. Les mêmes choses. Voilà, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Se mettre à travers, on nous parle d'argent ici, pour lequel vous êtes peut-être pas bien. Concernant la famille, il y a de la chance qui arrive malgré la culpabilité. On nous parle quand même de chance. Voilà, il y a la famille qui ressort, d'argent en lien avec la famille ici.
sur le fait d'avoir une situation un peu. Et voilà, on a la chance qui tombe dessus. Il y a quelque chose, il y a, il y a des belles évolutions ici, hein, c'est vraiment les énergies du jour, donc la liberté, l'autodétermination concernant ici l'argent, la richesse. Voilà, peut-être quelque chose qui va tourner en votre faveur lié à un membre de la famille, par rapport à la famille pour laquelle vous vous étiez un peu en chute ici. C'est peut-être lié en financier, où on était très instable, ou on a eu une grosse claque, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a une évolution vers un voyage ici, un déplacement qui va être plutôt tranquille, encore une fois concernant héritage, famille pour lequel vous vous sentez peut-être enfermé. Mais en tout cas, on a cette chance qui arrive sur cette fatalité. Donc, concernant tout ce qui est financier ou même richesse ici par rapport à votre famille ou investissement familiaux, genre, voilà, vous voyez un peu si ça vous parle. Le fait d'être dans une situation un peu inchangée, il y a de la chance qui arrive là-dessus et qui va vous permettre de pouvoir évoluer les Sagittaires. Donc, vous voyez un peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va le mélanger un petit peu. On fait un petit tour de manège. Voilà. Et voilà. Allez les Vierges, qu'est-ce qu'on a, mes amis Vierges, pour ce vendredi? Hop, hop, hop. Non, je ne le prends pas. On mélange pour les Vierges. Donc ça se met de travers. On nous parle de chance par rapport à des nouvelles choses ici. Il y a une chance de pouvoir peut-être se déplacer à l'étranger par rapport au fait d'échanger ici, peut-être avec une personne d'origine étrangère, de prendre la distance vers des nouvelles terres. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau ici sur quelque chose qui va revenir vers vous. Vous sentiez, vous saviez, vous en aviez déjà beaucoup discuté. Sur cette chance par rapport à l'étranger, peut-être une chance par rapport à des nouvelles choses ici qui arrivent que vous n'avez jamais connues aussi, c'est totalement étranger à vos habitudes, hein. Ça peut parler aussi pour cette situation, en tout cas on nous parle de chance, hein, donc c'est déjà pas mal. Sur tout ce qui était accusation, on va trouver un compromis ici. On va négocier, concilier. On vous dit que vous avez le miroir magique ici. Donc, vraiment, si vous passez une mauvaise passe par rapport à ces accusations, par rapport à ces choses étrangères, ça vous fait peur. Pas d'inquiétude, vous êtes protégé. Il y a les poignées de main ici, il y a les accords qui se font. On a cette chance. Et c'est une ouverture pour la maison ici concernant un homme, par rapport à un homme, où il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges. Et on a cette roue du changement qui s'actionne pour une femme également ici, par rapport à une femme. Enfin, voyez où vous vous situez. En tout cas, on nous reparle encore de cadeaux. Donc, il y a vraiment une chance qui arrive par rapport à des choses que vous ne connaissez pas du tout. Mais ne vous frustrez pas, ne soyez pas dans ces accusations. Allez vers ces compromis, parce qu'on vous dit qu'ici, c'est une ouverture et c'est un beau cadeau. Donc, purifiez-vous, réglez ce champ énergétique et prenez ici cette liberté ici, autorisez cette liberté pour certains à qui ça pourrait parler. Voilà. Allez, les amis, balance. J'espère que vous allez bien. Je vous mélange. Hop. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi pour les balances? Hop. On nous parle d'étranger, décidément, il sort. Étranger, quelque chose d'étranger pour une femme, d'un endroit étranger, d'un nouvel endroit, quelque chose, peut-être un autre pays ou une personne d'origine étrangère en lien avec une femme ou vous, mesdames, ici. On voit ici que par rapport à une femme ou pour vous, mesdames, il y a beaucoup de remises en question, des choses qui se discutent concernant des échecs liés à l'amour et à la trahison. On voit qu'on se retrouve peut-être à un carrefour pour certains d'entre vous. Étranger peut-être, voilà, une nouvelle vie, des nouvelles choses qui vont se produire. Hop, hop, ça c'est trop. Il y a le fait de trouver un compromis ici, de se mettre en accord. J'ai vraiment ici la victoire, j'ai une ouverture et j'ai des retards. Donc ici on était peut-être retardé, des retards à cause de beaucoup de paroles ici qui étaient
peut-être plutôt déséquilibré. Mais cette ouverture avec un entourage proche, on va pouvoir prendre de la distance ici. Il y a une victoire liée au travail, à ce que vous menez. On vous dit que vous avez le miroir magique ici. Je vous en retire quand même une troisième. Je la voudrais toute seule concernant ce compromis ici. Hop, ça s'est retourné. Ah ah, on va trouver des compromis concernant la jalousie et on a de la tranquillité qui arrive. J'avais la sexualité qui sortait, qui a dépassé la rentrée. Illico presto, ouais, elle est sortie ici et on nous parle d'entourage proche, d'amitié, où on a des ouvertures qui vont provoquer de la culpabilité, un certain enfermement. Et il y en a qui voient et qui prévoient avec cette clairvoyance, qui sentent qu'il y a de la correspondance qui va être examinée, qui va être OK ici. Il y a quelque chose qui va revenir et qui va être une victoire concernant peut-être le travail. En tout cas, par rapport à des nouvelles choses, personnes d'origine étrangère ici, ou un autre pays, ou quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, qui vous est totalement étranger. Il y a des échanges, il y a le fait d'échanger au niveau de son monde ici, c'est vraiment ça, et de trouver des négociations, des conciliations liées à cette jalousie ici, et on voit qu'on a de la tranquillité par rapport à les amis, collègues, famille, enfin, l'entourage proche, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. On va passer à nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous mélange quand même. Je refais ça. Voilà. Et je remélange encore un petit coup. Il y en a qui sont peut-être coupables par rapport aux enfants, ou liés aux enfants, à voir pour les Verseaux ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Hop, 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 c'est trop. Pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Hop, on nous parle d'un retour par rapport à des discussions, un retour peut-être de paroles, de conflits concernant une trahison ici, une trahison qui a pris du temps, pour laquelle on a dû faire des choix par rapport à des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous, concernant peut-être la maison, le foyer, la famille. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous, il y a un retour ici. Quelque chose qui recommence peut-être au niveau des discussions, des paroles peut-être qui dépassent la pensée. Pour certains, en tout cas, ça discute beaucoup, voire ça jase beaucoup, peut-être par rapport au fait d'avoir un retour ici. Vous allez peut-être devoir reprendre et on en discute déjà de votre retour. Voilà. Où on parle ici, qu'il y a quelque chose vraiment qui revient vers vous et. Ça va provoquer beaucoup de caquettement ici. Ouais, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Par rapport à ce retour aussi, où il y a beaucoup de discussions, on vous dit peut-être de prendre une autre direction, de prendre plus de hauteur par rapport à cette situation, de vous envoler ici. Le retour de ces discussions va peut-être faire que vous allez partir, pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle d'une victoire, de quelque chose qu'on va fêter, de la joie ici, concernant quelque chose qui va s'arrêter et qui se discute ici. On a une séparation de quelque chose. Hein. Il y a des réunions qui vont vous mettre dans une fatalité, mais vous allez être mis à l'abri concernant le financier. Voilà les Verseaux. Alors, on va passer à nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On va le remélanger. Il y en a qui rêvent de retour d'une personne ici. On va aller voir pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de tranquillité concernant les discussions qu'on a eues. Voilà, tout s'est retourné. Concernant les discussions, les paroles qui ressortent, on voit qu'il y a de la chance par rapport à une opportunité qui va s'offrir à vous. Il y a des propositions peut-être concernant
l'amour, une rencontre où il y avait beaucoup d'accusations, et on s'est mis à l'abri ici concernant l'entourage proche. Mais là, il y a un retour au niveau de votre bien-être par rapport à cette personne. Ça va évoluer. Ici, on nous parle de déplacement. Et on a vraiment des rêves ici qui vont se réaliser. Il y a des choses qui ont été longuement réfléchies, qui ont pris du temps. Mais là, on a vraiment cette tranquillité qui arrive concernant ici des discussions. Et on nous parle de chance par rapport à cette ouverture qui va se présenter à vous concernant le couple, ou si vous êtes célibataire, une rencontre, ou si vous attendez une personne, on a le retour de certainement cette personne. En tout cas, on en discute et on a des opportunités qui se présentent pour vous. Oui, l'amour ressort, donc c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous prévoyez, ce que vous sentiez. Et on nous parle de sexualité ici concernant un couple, enfin, c'est par rapport à un homme ici, c'est vraiment ça qui est en train d'examiner certaines choses où on se sentait en échec, mais on a quand même une victoire vous concernant par rapport à des contrats et des accords ici, concernant peut-être des engagements. Voyez un peu comment ça vous parle. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les béliers ce vendredi? Ça se retourne, on nous parle d'un homme ici. De vous, messieurs, il y a des choses qui sont examinées par rapport à cet homme. On voit qu'il y a quelque chose qui se révèle positif concernant peut-être une trahison. Et ça vous met ici en échec. Mais on a quand même cette victoire d'ailleurs par rapport à des choses nouvelles parce qu'on a une ouverture ici pour d'autres terres ou pour avoir un voyage. Et on nous parle ici que par rapport au couple, il y a des choses qui prennent du temps. Mais il y a le fait de se séparer d'un engagement et d'un contrat, et il y a vraiment de la correspondance qui arrive concernant ce que vous avez lancé. En parallèle, je pense qu'il y a des projets qui se mettent en route ici, mais qu'en dehors de ça, il y a peut-être ici un petit faux pas pour certains au niveau de ce qu'on avait commencé à engager. C'est vraiment concernant le couple et l'amour ici, les béliers. Vous voyez comment ça peut vous parler. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous mélange un petit coup. On parle peut-être de voyage, déplacement lié au travail, pour lequel on se sentait peut-être en échec pour certains d'entre vous. Pour ce vendredi pour les Gémeaux. Hop, hop. C'est trop. Ah, on a des contrats, on nous parle d'ouverture ici. Les contrats, ils ont pris du temps, mais on a cette ouverture. Peut-être liée à ce que vous ressentiez ou ce que vous saviez, ou peut-être tout simplement à la clairvoyance ici, vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a des choses qui ont été mises en retard par rapport à beaucoup de discussions, et on voit qu'il y a de la tranquillité qui arrive pour cette ouverture et les décisions qui vont être prises malgré qu'on se sent coupable ou pointé du doigt, ou on ressent de la culpabilité par rapport à une femme liée au travail. Ici, on nous parle de fatalité et d'échec, mais on a cette victoire chanceuse par rapport à un homme ici. Donc, vous voyez un peu comment ça peut résonner. En tout cas, on a des ouvertures liées au travail. Il y a des choses qui vont. On a de l'indépendance ici hein, qui va ressortir. Pardon. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi? Pour les taureaux, quels sont les messages? Hop, ça tombe. On nous parle de santé, de bien-être. Il y a des rêves par rapport à ça. Il y a le fait de s'écouter aussi concernant son entourage proche, où on se sent peut-être dans une instabilité ici. On évalue, on regarde un peu au niveau de son cœur ce qu'on veut aussi, hein, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Peut nous parler aussi du milieu de la santé ici. Si vous bossez dans ce milieu-là ou si jamais vous êtes suivi, tout simplement, il y a le fait de s'écouter. Hop, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a? On a la chance qui s'offre pour nous. On nous parle de joie. Hein. Donc, il y a vraiment de la chance liée à peut-être du plaisir ou tout simplement voilà, du charnel. En tout cas, il y a des choses qui vont se fêter. On a un coup de chance sur votre bien-être. Ici, le fait de s'être écouté. La chance arrive, la chance revient. Pour certains, chance par rapport à des réunions, des choses qu'on discute et on vous dit oui ici. Donc, on a une réponse positive sur ce qui revient vers vous concernant ici. Les amis, ça avait pris du temps, on nous parle d'amis, donc ça peut parler de collègues, entourage proche, membre de la famille. Vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on nous parle qu'il y a de la chance qui revient à vous sur ce que vous discutiez énormément, concernant votre bien-être. Donc voilà, on va finir avec nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Je vais remonter un petit coup. Les liens aussi qui se sentent vraiment en échec ou en rivalité, on ne se sent pas bien. Hop, 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 celle-ci veut venir. On nous parle de voyage, de déplacement, de prendre de la hauteur ou peut-être simplement ici, il y a le fait de se déplacer pour peut-être signer des contrats. C'est vraiment des signatures qui vous concernent, vous et peut-être votre famille, des membres de votre famille. En tout cas, on va prendre des décisions. Ici, il y a une décision qui tombe par rapport à vos ressentis, par rapport aux décisions que vous devez prendre, vraiment les choix qui se présente à vous. On nous reparle de nouveau de contrat, de signature, d'accord, et on nous parle de plaisir, sexualité, peut-être culpabilité, enfermement, ici, instabilité. Donc là, concernant un homme, par rapport à des enfants, il y a du plaisir qui va revenir, de la créativité qui va revenir ici, parce que vous allez prendre cette décision de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, de vous déplacer ici, de voir un peu les possibilités qui s'offrent à vous, et on va pouvoir acter, signer, s'engager vous concernant avec la famille. Il y a des choses qui reviennent au niveau de votre bien-être et vous allez pouvoir évoluer. On nous parle de choses qui vont vraiment vous faire plaisir ici, qui vont se reconnecter pour vous, liberté, vérifier. Voilà. Bon, ben voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée pour ce vendredi. N'hésitez pas à liker en haut, en bas, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Bisous, bisous.